Je la croise tous les matins. Ce titre, écrit et composé par Jean-Jacques Goldman, est le premier extrait du nouvel album de Johnny. Un album qui porte le nom de sa résidence à Ramatuelle. Car c'est à Lorada que les deux géants de la chanson française se sont retrouvés en mars-avril dernier pour répéter et enregistrer. Jean-Jacques Goldman a l'air content de vous, vous êtes content de vous? Mais je suis très content de lui aussi. Non, c'était un album fait un petit peu différemment de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. C'est la première fois que d'abord qu'on fait un album dans une propriété privée, et notamment la mienne. Et c'est un petit peu, un album qu'on a voulu faire un petit peu live, sans public, qu'on a enregistré live avec les musiciens à Lorada, en pensant surtout aussi à avoir des nouvelles chansons, des chansons de scène pour Bercy. Alors pour tous ceux qui vous suivent comme nous depuis 25, 30 ans, on vous imagine mal en grand-père. Vous êtes encore jeune. Vous savez, quand même. Moi, je suis grand-père, mais enfin, je réalise toujours pas. Bon, moi, c'est comme si j'avais une petite fille. Je veux dire, c'est génial. Je crois que c'est dans la tête. De toute façon, j'ai toujours dit qu'il valait mieux être grand-père jeune que grand-père vieux. Vous avez 52 ans. 52 ans, oui, depuis 3 jours maintenant. Donc, vous êtes un vieux rocker ou mais un rocker? Non, je suis un rocker tout court. Mais vous savez, j'ai beaucoup mieux pris mes 50 ans que mes 40 ans. J'ai eu un cap difficile à 40 ans que j'ai dû passer. Le 50 ans s'est passé comme une lettre à la poste. Peut-être grâce au Parc des Princes, d'ailleurs. Et puis, c'est d'ailleurs un anniversaire que vous avez passé alors, plus tout en à fait famille. Peinard. Oui. Alors là, il y avait ma mère, avec qui je vois malheureusement pas assez souvent. Mon beau-père et quelques intimes, c'est tout. On était 8. Ça veut dire que vous abandonnez un petit peu les temps anciens, vous étiez toujours accompagné de bandes? Non, pas du tout. Mais j'avais envie de faire mon anniversaire en famille, surtout, cette année. Bien, merci de beaucoup. La dernière fois, je l'ai fait avec 60 000 personnes. Ah oui, je l'ai fait avec beaucoup de monde. Oui. Enfin, on vous retrouvera de toute façon à Bercy pour combien de jours? 3 semaines. 3 semaines. Oui, du 12 septembre au 1er octobre. Ça sera un record. Et ensuite, tourner en France. Merci beaucoup, Johnny.